Bonsoir à tous, c'est Aplixo, on se retrouve sur Rimworld. Je viens tout juste de recharger la sauvegarde et visiblement c'était Bagdad dans le dernier épisode. Donc on a Rémi en pleine souffrance par terre, Boss en plein rétablissement et Laurier en plein rétablissement. Ça va, tout va bien. Tu peux, quelqu'un peut, ça vous, est-ce que tu peux secourir? Ok, c'est bon, Tiger est tranquille, c'est bon. Non, c'est pas Tiger, c'était Rémi. Non mais d'accord. Donc dans les commentaires vous avez été nombreux à me dire que en réalité les œufs, mes œufs fécondés ici, c'est pas une bonne idée. Puisque mes animaux, en fait probablement de ce que vous m'avez dit, les cochons et le cougar, peut-être aussi le chien, mangent les œufs fécondés. Donc on va déplacer ça. Je vais copier les paramètres par contre, supprimer la zone. Et mettre ses œufs fécondés quelque part d'autre. Dans la cuisine, c'est pas une bonne idée, je pense. Ici, je... Non, franchement, je vois pas où je pourrais les mettre d'autres, en fait. Je pourrais faire une zone interdite juste ici, en fait. Je pourrais faire une zone interdite. Je vais mettre une zone interdite, ce sera plus simple. Autorisé juste aux œufs fécondés. Parfait. Priorité critique. Maintenant les animaux, je vais tous les mettre en zone 1 sauf ceux qui peuvent transporter, donc visiblement eux je vais les laisser en non restreint. Ceux qui peuvent transporter et le cougar aussi. Mais je vais faire une zone 2. Alors, c'est assez compliqué visiblement. Créer une nouvelle zone animale. Je vais la définir sur cette zone ici. Ensuite, la petite méthode, c'est gestion inversée. Et là, tous les autres animaux, je les mets dedans. C'est vous qui m'avez donné l'astuce, hein. Et normalement, tout est bon. Et là, plus personne ne doit normalement manger nos ressources. Enfin, en théorie. Normalement, il est plus autorisé à venir ici. Et ça m'étonnerait que les poules se mettent à manger leurs propres œufs. Par contre, faudrait que je restreigne aussi les muffalos à cette zone-là. Je vais le faire tout de suite, ce sera plus simple. Les muffalos, ici. Oh, elle est enceinte. J'avais pas fait gaffe à ça. Bon, ok, c'est bon à prendre, je note. Donc, normalement, le problème des œufs fécondés, c'est réglé. Ensuite, le prisonnier qui manquait à l'appel. Visiblement, en fait, c'est juste qu'il était mort. En fait, il est mort et je m'en suis pas rendu compte, visiblement. Panne du fondeur électrique. C'est pas trop grave. Aussi, vous voulez que je décore un petit peu la base. Parce que bien que le sol soit joli... Enfin, joli. Bon, là, il est recouvert de sang, mais... normalement, il est un peu plus joli. Vous voulez que je fasse des sols. Alors, le calage antibactérien, on va le laisser ici. Je pense qu'on va faire des tapis bleus dans les chambres. Je sais pas. Alors, je sais absolument pas comment... les tapis sont gérés par le jeu. S'ils sont très beaux, s'ils sont très moches ou pas, j'en sais rien. Faudrait que je mette une nouvelle zone parce que du coup je vais pas avoir assez de tissu pour tout ça. Ok, bon, on a des petits problèmes, des gens qui se mettent à boire. Tant que tu chopes pas une addiction, tu peux boire autant que tu veux. Ok. Ça y est, pétez tous les plombs, c'est bon. Je vais rien dire, pétez tous les plombs. Normalement, les gens devraient se mettre à faire du nettoyage. En théorie.
Voilà, c'est bon. Anne s'est mis au nettoyage, tout le monde se met au nettoyage. Tant mieux, parce qu'on va en avoir besoin. C'est actuellement tout le monde n'est pas super heureux parce que justement on n'a pas un bel environnement. Faut dire que la base est dégueulasse. Alors, ça donne combien le tapis? Alors, je suppose que les tapis sont tous pareils. Eh, c'est moins bien. Sérieusement, le jeu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un tapis c'est plus moche qu'un sol aplati qui coûte des ressources, qui coûte pas de ressources? Sérieusement. Bah on va enlever ce sol, hein. Sérieusement. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc les tapis sont plus moches que le sol aplati. Comment voulez-vous que ce soit normal? Le carrelage en calcaire, peut-être? C'est bon, la base commence à être nettoyée. Tant mieux, parce que ça commençait à devenir assez problématique. Il vient faire chier les gens dans leur chambre. C'est tout à fait normal, Laurier, tu vas très bien. Rémi est toujours en train de boire. Non, il a arrêté. Il a arrêté. Tant mieux. Je vais redemander quelques sculptures. Vous m'avez dit que je pouvais changer de type de sculpture. C'est vrai, je pourrais. Faudrait que je retrouve aussi les armes, les gens qui n'ont plus d'armes. Donc Rémi, tu vas pouvoir reprendre un fusil à pompe. Maxime, tu vas pouvoir rep... Non, Maxime. Maxime ne peut pas prendre d'armes parce que c'est un brawler, je crois. Voilà, il est cogneur, donc... Ok, il y a un truc qui est mort. Pyle a toujours son sniper. Boss, tu vas pouvoir reprendre une LMG. Je sais pas si c'était à toi, mais au moins maintenant, c'est la tienne. Le fusil à pompe. Laurier, je peux pas savoir. Et sinon, tout le monde est bien. Waza, c'est bon, t'as toujours tes deux bras. C'est bon, Waza a toujours ses deux bras. Anne est maintenant en consommation excessive d'alcool. Parfait. Tout le monde est malheureux. C'est parfait. On est pourtant pas si moche. C'est pourtant pas si moche que ça par ici, hein, donc. Les chambres sont à 4, 5, parfois 8. C'est pas mal. Bon, là c'est moche, mais. Mais ça faut pas en parler. Je suppose que l'hôpital est horrible, voilà, je m'en doutais un peu. Encore une en panne. Bon, bah, encore une machine en panne, c'est génial. Est-ce que mes réserves d'énergie descendent? Oui, donc je vais pouvoir couper ce petit truc. Non, c'était pas construire une copie. À chaque fois, je me fais avoir. Bon, elles sont pas pleines, pleines, celles-là, mais ça suffira largement pour ce qu'on en a, ce qu'on a à en faire. Nos plantations de riz, ça se met bien. Ça se met bien. Je vais, par contre, je vais supprimer la zone. Je vais supprimer une partie de la zone. Pour pouvoir récupérer une partie et faire du coton. Parce qu'on va... Bah non, du coup, vu que les tapis sont moches, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire du coton puisque c'est moche. 1. Vous vous rendez compte que le sol le plus beau du jeu est le sol aplani. Ce qui veut dire un sol qui ne coûte rien. Un sol qui ne coûte rien est actuellement le sol le plus beau du jeu. Je crois que c'est un problème. Je crois que c'est pas normal. On va pouvoir aplanir tout ce bordel. Ça va leur faire du boulot. Laurier est en crise de démence extrême. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Laurier? Que t'arrive-t-il? Bah, faut dire que tu t'es laissé crever de faim, donc... Pas du tout joyeux. Vous avez un... Ok, je vais vous mettre d'autres choses. Je vais vous mettre d'autres trucs, des fois que... Une table d'échecs. D'ailleurs, je vais plutôt la construire ici. Supprimer celle-là. En loisir. Des télés. Non, des télés, ça va. Faut pas abuser non plus. Je cherche des fauteuils. Voilà, les fauteuils. Voilà. Vous allez pas me dire que c'est un problème de faire que vous pouvez pas faire de que vous pouvez pas être heureux là quand même.
Faut pas me chercher là quand même, arrêtez. La base, elle est belle. Ah, aussi, un dernier petit truc qu'il faut que j'ajoute, que vous m'avez dit dans les commentaires. Je crois que c'est le dernier truc. Oui, c'est ça, c'est le dernier truc que j'ai noté en tout cas. Faire des rations de survie, puisque ça ne périme pas. Donc on va faire jusqu'à en avoir... Allez, une centaine. Ils sont pas censés les manger. Pourquoi est-ce que celui-là est bloqué ici? Hop là, ça c'était un peu trop. Voilà. Tout le monde est à 100 et ration de survie. 100 c'est peut-être un peu beaucoup, mais au moins c'est fait. Au moins c'est fait. Alors, ils me font ça et ensuite ils me font les rations de survie. Les rations de survie en fait vont être pour le trajet puisque vous m'avez dit ça ne se périme pas. Donc c'est à peu près le truc le plus épique pour faire... pour faire de la caravane. Donc comme visiblement on est d'accord qu'on n'est pas prêt à faire des caravanes encore, eh ben on va s'y préparer. Très clairement, je veux faire des caravanes. Je sais qu'il y a des grandes chances que j'y laisse des gens, mais je veux le faire. Il est bon. Parfait. Anne, tu peux le faire. Non, tu pouvais pas visiblement. Visiblement, elle ne pouvait pas. Bon, dommage. Ici, c'est éteint. Le houblon est éteint. Donc, le houblon, on en a encore. Oui, on en a encore beaucoup. Donc, pourquoi c'est pas fait? Pourquoi c'est pas fait? On a encore 17 médicaments. Non, un peu plus de 17 médicaments. Hop là! Petit clic en dehors de la fenêtre. Non, on a 20 médicaments. Enfin, on a 20 médicaments et un petit peu plus pour le reste. Oh, ils sont en train d'aplanir le sol, c'est bon. C'est bien, c'est pratique. Aussi. Poule 3 a eu une attaque cardiaque. Ok. Je savais même pas que c'était une possibilité. Je savais même pas que c'était une possibilité en fait. Un chasseur n'a pas d'arme à distance. Laurier, pourquoi tu n'as pas ton arme? Eh bien, prends un fusil à pompe. On a beaucoup de fusils à pompe quand même. Ce qui est un peu un problème. Les statues... Ok, d'accord, les statues sont déjà finies. Ok, c'était rapide. C'était très rapide même. Maxime est en train de faire du nettoyage. Precision turret, ça c'est fait. Blasteret, donc. Ah non, un truc que vous m'avez dit. Je l'ai déjà? Parfait, je l'ai déjà. Je croyais que je l'avais pas encore fait, mais j'étais pas sûr. Roquette complexe. Bon, écoutez, ça coûte 2000, autant le faire. Capsule de cargo. Oh, du chocolat! On va chercher ça instantanément. C'est obligatoire le chocolat. Pourquoi cette tourelle n'est... Non, c'est bon, j'ai rien dit, pas de panique, j'ai rien dit. Ok, donc, je veux savoir... Precision tourelle... Wow. Ça a pas de sens. Ça fait pas de sens, cette portée. Ok. Et ça explose quasiment pas. Ok, je veux cette tourelle. Quel que soit le coût, je veux cette tourelle. Je veux au moins l'essayer. Et je veux la même juste ici. Ouais, juste ici, ce sera parfait. Vous m'avez dit mettre des défenses devant mes tourelles. Est-ce que c'est... Ah ! Énergie de secours. Si quelqu'un pouvait se bouger pour aller éteindre le feu, ça m'arrangerait. Ok, un câble. On a perdu des câbles ici. On va les reconstruire. Et ça poserait pas de problème. Rémi est de retour en consommation excessive d'alcool. Bon, c'est pas grave. Tout va bien.
Pour le moment, j'alimente juste ce truc, hein. Toute ma base n'a plus d'énergie. Ah ok, si déjà. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Tout est réglé. Tout est réglé, j'ai rien dit. Non mais... C'est parfait. C'est parfait, j'ai rien dit. Ok, j'ai du chocolat ici. Ok. Donc, il me faut des composants. Est-ce que j'ai encore beaucoup de composants? J'en ai encore 42, donc ça devrait largement suffire. Cette tourelle fait peur. Cette tourelle fait peur. Oh! C'est... Fléox, on a trouvé ton frère! On a retrouvé ton frère, Fléox! Ça, non, ça vous... Ce serait plus pratique de passer par le haut. On a retrouvé le frère de Fléox. Bon, c'est pas... ça, entre peu et pas d'importance, mais on a retrouvé le frère de Fléox. Je leur vends le pemmican parce que visiblement ça sert à rien, ça périme trop vite. Je pourrais racheter de la neutroamine, j'en ai encore 43, donc pour le moment on va la garder. Je vais acheter ça. Ouh, ça pique. Ça pique. Je vais leur vendre toute ma bière, comme ça Fléox, enfin Rémi va arrêter de boire de la bière de façon excessive. Tout ce qui est médiocre, je vais pouvoir le vendre parce que mes colons ne le mettront pas. Chef d'œuvre. Dommage que ce soit quelque chose de qui a été porté par un mort, parce que c'est un chef d'œuvre. Alors ils me vendent des choses ici. Je pourrais vendre une sculpture. Ok, je vends. Je vends. Vu le prix qu'elle coûte, je vends. Je pourrais leur vendre d'autres choses, du cuir de rat, des choses comme ça, des cuirs de tortue, cuir d'écureuil, cuir d'autruche. Enfin, des choses qui me servent à rien. Histoire de faire un petit profit. Bon, par contre, j'ai clairement plus de tissu. Donc, va falloir faire... Faut faire attention. Faut faire attention, on a des petits problèmes. On a des petits problèmes de ressources. Le chocolat. Ça se vend cher, mais en même temps, ça rend les gens heureux chez moi. Donc, non, je garde. Non. Je reste avec... je reste sur mes positions. C'est vraiment dégueulasse ici, hein. Je suis censé d'ailleurs déplacer mes batteries. Donc je vais déplacer les batteries de secours ici. Les batteries de secours seront déplacées ici pour le moment. Parce que de toute façon, tout ce qui est production d'énergie devra être ici après. Alors, vous m'avez dit aussi pour le deep core mining. Il faut que je m'y mette. Parce que le plastacier, c'est là-dedans qu'on en trouve, visiblement. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Mais c'est mieux que rien. Éruption solaire, parfait. Ça ne me pose aucun souci. Hein. Alors ça, c'est un scanner géologique non porté. Et ça, c'est un scanner... Ok, donc c'est quelque chose qui est ici. Je vais le mettre... Je vais le mettre juste ici. Je vais le mettre juste ici parce que... Attendez. Ça requiert beaucoup d'énergie. Bon. Mais pas particulièrement en manque d'énergie. Donc c'est pas grave. Je cherche en fait la... Comment le miner en fait, parce que du coup... Ça me donne quoi en fait? Parce que j'ai le scanner géologique. Qui me donne quoi en fait? Permet de scanner des scanners géologiques qui peuvent détecter des ressources souterraines favorables. Ok. Une foreuse en profondeur. Donc les foreuses en profondeur, ça doit être quelque part. Ah, forage en profondeur. Oh! Ah, ok.
Ok, d'accord. C'est la première fois que je vois ça, hein. C'est la première fois que je le vois, donc je... Et bah, je vais en mettre là. Du coup, je peux le désactiver dès que j'en ai plus besoin, puisque je sais où sont les trucs. Requête complexe. Ok, ça c'est intéressant. Il me faut plus de défense. Et en même temps aussi plus d'armes. Armes multicanon. Donc ça produit de l'acier. Enfin pour moi là ça produit de l'acier. Je sais que... Donc ici c'est une poche d'acier. Ok, je suis pas sûr de tout ce qu'il y a de... Est-ce que c'est infini les sous-sols? Oh, un émeu-mâle s'est laissé apprivoiser. Cool. Meurs. Sérieusement, je veux pas plus d'animaux. C'est infini ou pas? Parce que si c'est infini, c'est craqué. Faut que quelqu'un y travaille. Ok, donc les personnes qui peuvent faire du minage peuvent faire ça. Ok. Ceci est un lapin. Meurs. Je veux pas plus d'animaux, j'ai dit. C'est assez rapide en plus. Mais ça produit combien d'acier? Vu qu'ils vont passer beaucoup de temps ici, je pense qu'il serait utile que je déplace cette sculpture par ici. Parce que la zone doit être horriblement moche. Ah, je suis que à 1. Ça va. On a vu pire. Et maintenant, je suis à... C'est pire qu'avant. Ok, je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est pas grave. Savouz, je vais te refaire une commande de deux sculptures pour les mettre plus proches d'ici. Parce que, du coup... 74. Est-ce que c'est infini? Sérieusement. Parce que si ça l'est, c'est craqué. C'est la première fois que je touche à ça, donc j'ai aucune idée de ce que je fais. Je précise, j'ai aucune idée de ce que je fais. Mais c'est très intéressant. J'ai mis ça de près du mur. J'aurais pas dû. Pourquoi je perds de l'énergie? Ah non, je perds pas de l'énergie, j'ai juste du mal à le remplir. My bad, c'est rien. Donc, je vais refaire notre circuit électrique, hein. Mais très franchement, si c'est infini, c'est juste génial. Mais vu que dans Rimworld rien n'est infini, ça me surprendrait. Mais franchement, ce truc est génial. Ce truc est génial. Je le valide à 100%. Problème, c'est que j'ai des... Du coup, j'ai des zones. J'ai une zone ici, je crois. Donc, qui serait dans une chambre. Donc, je vais devoir dégager une chambre. Franchement, c'est très intéressant. Et je pensais pas que ça allait être aussi efficace, en fait. Ok, donc vous m'avez dit les portes en pierre sont un peu plus longues à ouvrir. Je m'en inquiète pas trop. D'ailleurs, on pourrait remplacer les murs tout de suite tant qu'il n'y a pas de prisonniers. Hop. Ce mur va être remplacé parce qu'on n'a pas de prisonniers pour le moment, donc autant en profiter. Est-ce que j'ai des poussins? Oui, j'ai des poussins! On a deux poussins qui sont nés. C'est mignon! C'est mignon et ils vont produire de la bouffe. C'est triste parce que quand même, je suis encore sur le cul que le plus beau, les trucs le plus beau, c'est du sol
en du sol aplati, c'est pas logique. Ça c'est même moins 1. Ça c'est même moins 1. Donc on va pas en parler. Ça donne pas de bonus. Ouais, ça produit 70, ça produit presque un stack à chaque fois. Et hop là, ça fait bizarre ça par contre. Ça fait bizarre, c'est pas agréable à voir. Animal fou. Laurier, tu peux t'occuper de cet écureuil avec Pyle? Non mais les gars, finissez-le quoi. Juste finissez-le. Bon. Pyle, tu as pris quoi comme dégâts? Bon, c'est toujours ton. Ah! Ah, c'est vrai, il faut que lui change ses... faut que je lui change un œil. Mais vous m'avez dit le plastacier, on devrait en trouver là-dedans. Donc, autant essayer. On essaye des nouvelles choses. Je veux voir où est ce... Ouais, la mine, elle est juste ici, dans la chambre d'Isabelle. Je vais lui déplacer son lit. C'est pour ton bien, hein. Et je vais même t'installer une nouvelle statue plus jolie. Je crois qu'elle est plus jolie. Excellent et supérieur, c'est quoi le... Ça doit être pareil. Visiblement, c'est pas infini. Ok, tous les animaux, enfin tous les écureuils de cette planète sont devenus fous. Génial. Tu es parti récupérer un rocher. Lâche ce rocher. Et fuis, 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 il y en a plein. Boss, fuis. Oh! Bon, eh ben on va refaire un bras. Ah. Bon. Isabelle, prends ton pompe. Non mais arrêtez. C'est mes tourelles qui font le plus de dégâts là. Ok, Maxime, faut que tu fuis là. Fleox, pourquoi tu te fais tirer dessus? Ah, c'est pas toi qui te fais tirer dessus, ok. Rémi, prends ton pompe et tire-leur dessus. Non mais Maxime, bats-toi, c'est juste un... Voilà. C'est mieux, non? Bon, on a perdu des membres à cause de notre tourelle, hein. Je tiens à préciser qu'elle est bien, mais dangereuse. De toute façon, au final, le principe, c'est que tout le monde devienne des... Ah, c'est encore de l'acier. C'est encore de l'acier, donc je vais demander un ordre. Est-ce que je peux miner jusque-là? Je pense que oui. La question, c'est est-ce que je peux construire jusque-là? Oui, parfait. Ok. Caravan request. What? What, 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 what? Attendez. Il me demande 1807 doublons.
Et en retour, il me donne un Advanced Nuclear Power Plant. Ok. ça fait beaucoup à produire. Mais je relève le défi. Ah, quoique, ça fait super loin quand même. C'est pas si long. 2 jours et demi. C'est pas si long. On passe tout ça en houblon. S'il y a moyen de le faire, autant essayer. On passe tout en houblon. Il est où? Voilà, il est là le houblon. Et on allume ces deux lumières. Bon, tout le monde a été relativement gravement blessé. Hein. Rémi a perdu un... Non, ça c'était déjà avant. Maxime, tu n'as rien perdu de grave. Parfait. Boss, par contre, tu as pris très cher. Tu as perdu une oreille et un bras. Bon, ça, il va falloir le changer. Ça va venir, ça va venir, ça va aller. Boss, par contre, tu es en self-tend, donc tu peux te soigner toi-même. Parfait. Et Isabelle, tu as perdu un bras gauche. C'est génial. Ok, donc, basiquement, il faut que je fasse deux, il faut que je fasse deux bras. Maladie infection. Fleox, tu es une infection légère. Je vais demander à Tiger de te soigner. Risque de maladie majeure, qu'est-ce qu'il y a? Boss est censé être notre médecin, non? Tu retournes pas te coucher. Tu... Non. Ok, je veux que tu soignes, Tiger. Ok, pourquoi je peux pas le soigner? Ah, parce qu'il a déjà été... Ok, d'accord. J'ai rien dit. Oups. Alors, ce sera maintenant Isabelle et Maxime qu'il faudrait que tu soignes après. Hein, juste comme ça. Une légère infection, pas très grave. Tu le nourris et Maxime ensuite sera nourri. Enfin, surtout soigné. Non, c'était soigné que je voulais, Tiger. Désolé, je me suis trompé dans l'ordre. Nouveaux amoureux, Pilemat et Trafar. Eh ben, félicitations. Ok, donc Laurier a 2 infections actuellement, c'est ça? Non, c'est toujours la même. 15 et 17, pour le moment on est devant. Risque de démence majeure, Laurier, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, ça c'est... Non, mais c'est... Chambre dégueulasse? Non, mais je te perds... Ah, dans le noir. Vous voyez, là, ils aiment pas être dans le noir. Donc c'était ça le problème, c'était ça. Il va nous falloir des lampadaires dans les chambres. Finalement. Derrière, je vais te demander de prioriser d'apporter des ressources. Visiblement, j'ai eu deux trucs, c'était les mêmes, mais visiblement, c'était pas la même chose. On a eu des grosses blessures quand même. J'aime pas trop. Nos réserves diminuent abusivement. Ça bouffe combien ces tourelles là? Pas tant que ça. Bon, si, quand même beaucoup, mais pas tant que ça. De toute façon, tout membre sera simplement réimplanté. On va dire ça comme ça. On a 2 prothèses de bras en plastique et on a 2 bras bioniques qui sont en cours de demande. Sauf que je crois que je n'ai plus de plastacier. Non, j'ai plus de plastacier.
On est heureux. Ouais, visiblement, ça. Ah oui, ils ont des objets à échanger, parfait. Ça vous. C'est son boulot. C'est son boulot, elle est là pour. Et elle le fait bien. Alors, le chocolat, visiblement, j'en ai encore. Des rations de survie, je les garde. Les composants, ils en ont pas. Des médicaments, je veux pas en entendre parler. La bière. On vend la bière. Le pila. L'arc court. Le lanceur de balles, je le garde. L'arc, je garde. Fusil à pompe, je garde. Pila. Arc. Pila. Carabine, carabine, je garde. Frac, je garde. Ça dégage. Ça dégage. Aussi. Aussi. Et donc on a eu des productions qui sont vraiment mauvaises là. Hein. Et on a une grande statue qu'on pourrait leur vendre. Sachant qu'ils n'ont pas assez d'argent, laissez tomber les gars. Ils sont trop pauvres. J'ai pas regardé sur les autres avant. Probablement que c'était pareil. Ils étaient aussi trop pauvres et j'ai probablement gaspillé de l'argent, mais c'est pas grave. Ok, multicanon, c'est prêt, ok. Vous savez quoi? On va partir sur la construction du vaisseau. Je crois qu'on l'a encore jamais fait sur la chaîne. Je crois qu'on l'a encore jamais fait sur la chaîne et je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire cette fois. Je peux pas le déplacer. Bon. Ici on a de l'acier en dessous et ici on a de l'acier en dessous. Dommage. Ça serait bien si on avait d'autres trucs. Des trucs mieux. Niveau argent, on en est où en fait? Juste comme ça. Je crois que c'est ici. Non, c'est pas ici, c'est là. 4000, 4100, ça va. On a à peine de quoi acheter un membre bionique. C'est catastrophique le prix que ça coûte. Je vais en redemander. Ça vous, tu vas avoir à nouveau du boulot. Un chasseur n'a pas d'armes. Qu'est-ce qui t'arrive? Isabelle, pourquoi tu n'as pas d'armes? Pourquoi t'as pas d'armes? Probablement parce que son arme est ici. C'était une idée. C'était juste une idée comme ça. Donc ces trucs font très mal. Malheureusement, elles sont aussi extrêmement dangereuses. Faut pas être sur leur chemin. Mais elles font mal. Je bouffe beaucoup trop d'énergie. Tellement d'énergie que je vais arriver à court d'énergie très vite. Va falloir qu'on trouve une solution. Une solution, ce serait de désactiver ça, parce que ça bouffe quand même 250 watts. Et je pense que c'est toujours le problème de ça. Ouais. Après, c'est normal. Elles étaient un peu trop pétées. Elles étaient un peu trop abusées. Mais du coup, en fait, comment je fais pour savoir où je dois retourner? Ah bah, comme ça. D'accord. Expire dans 23 jours. Je pense qu'on peut avoir ces réserves de houblon. Je pense que c'est possible. Je vais juste suspendre ça. On en a combien? Bon, on en a 115. C'est pas aussi bien que ce que je pensais. Mais on en a. Va clairement falloir se remettre à faire du nettoyage. C'est bon, on regagne de l'énergie la nuit, on regagne même beaucoup d'énergie la nuit. Est-ce que je peux réinstaller ça ici? Parfait, je peux réinstaller ça ici, donc autant le faire. Ici, il n'y a pas de travail qui est censé être fait, donc on désactive. Ici, non plus.
Pourquoi est-ce que c'est... Ah! Donc pendant un moment, on n'avait plus de lits médicaux, c'est pour ça qu'ils étaient tous dans leur chambre. Tout s'explique. Tout s'explique. Mais sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On a encore explosé le compteur, mais c'est pas grave. Donc sur ce, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, à dans la prochaine vidéo !